Alors. En vrai, c'est whatever à win trade, ça implique que tu trades. Je suis d'accord, c'est pas... je suis d'accord que moi j'ai rien à me reprocher, tu vois, mais même, c'est une question d'honneur, quoi, tu vois. On parle d'honneur, ça fait longtemps que c'est mort et enterré, ce truc-là, c'est vrai. Plus ça LP, ça paye mal, ouais, j'avoue. Bon, on est ok avec ça. Mais c'est pas bien pour le coup. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. En plus, je suis sûr qu'il est content, tu vois. Ça, tu vois, j'ai. Mais il faut expliquer que c'est pas bien sur le truc, quoi, tu vois. Ça se trouve, il est juste planté. J'avoue, ça se trouve, il a. Ça se trouve, il a juste planté, ça se trouve, le pot. J'avoue, ça se trouve, on l'insulte. On lui demandera si on le recroise. Mais tu vois, il faut expliquer sur les choses. Pour le coup. C'est pas bien, mais on prend. Je vois pas pourquoi c'est pas bien. Bah, c'est pas fair play, quoi, tu vois. Et je pense que ça a pas d'un. Tu vois, si je me faisais baiser parce qu'un mec faisait ça, je pense que je me pends, quoi, tu vois. Donc, j'ai même pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre, quoi. Genre, moi, je le supporterais pas, quoi, tu vois. Je me fais baiser ma calife sur ça. Donc, bon. Top 1 Diony de remontada avec un HP? GG à lui. Je pensais pas qu'il allait faire top 1 hein, vu le sa game, hein, la vache. GG à lui. On retombe avec lui du coup. Hein. Il y a une femme qui accouche. Ouais, mais dans ce cas-là, il faudrait la lancer une game dans ce cas-là. C'est ma map préférée celle-là, je pense. Bon, je prends de la tire. Hein. Pas de plus risqué le roi. Le chat qui va, le chat qui marche sur le clavier en plein fight, super. Ah, genre. Putain. Non, mais en vrai, il troll. Hein. Non, je sais pas, il doit jouer Cassio par contre. Hein. Cassio, ça m'a cassé les couilles, quoi. Enfin, on était contest la game d'avant, mais. Non, mais c'est la faute du chat alors, hein, on comprend. Le chat franc qui fait Alt F4 trop skillé. C'est le chat dans mon beau-père et moi qui tire la chasse. Allez, c'est parti. Fais tourner une Cassio dans une box et on est parti. Hein. Oh! 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 Oh popette! Oh popette! Et j'ai crié, crié, Syndra, pour qu'elle revienne! Sans pas ce start. J'ai le choix, moi. Allez. Ouais, je suis d'accord, Cassio était contest et mon gear était dégueu. Syndra ou Cassio, ou Teemo. Ça me force à gear ionique, mais bon, c'est pas une note. Hein. Mine God. Alors. Bon, c'est pas une game Vanguard. Hein. Zéro doute. Ça me semble pas être une game infiltre, mais bon. C'est une game H. Ouais. Effectivement. T'avais le gear Cassio. Je suis d'accord, mais quand t'as Rakan, Jarvan. Quand t'as Jarvan 2 et deux Rakan, tu joues protecteur, c'est plus fort quoi. Intrinsèquement, protecteur, ça reste le meilleur early quoi. Surtout avec Rakan 2 quoi. Vous voyez là, enfin, je peux push et je lui mets un 4-0 quoi, tu vois. Enfin, c'est trop fort quoi. Non, là on a un gear qui est excellent ici, hein, il faut le dire. Ta-ta-ta. Je peux acheter ça quand même, pour l'honneur.
J'ai une hache et une Syndra. Et c'est là qu'on a l'embarras du choix. J'ai envie de dire. Bon, il y a les infiltres, mais l'infiltrateur est passé. Il y a un mec qui est passé 5 dans la game là. Il y a une hache, Warmog. Ok. Ouais, moi j'ai une préférence pour hache à choisir, mais bon. J'ai envie de dire, ça dépend des items hein, globalement. Je pense que j'ai une préférence pour hache quoi. Fucking Warmog, je peux pas gagner contre la Warmog, je pense. Enfin, c'est. Warmog est plus forte que moi là, en early là. Bon, son setup était meilleur que le mien quoi. Après ça me dérange pas d'avoir une priola avec ce que j'ai eu. En tout cas je suis content d'avoir push 4 pour toucher H et Syndra quoi. C'est Zoé et on pré-push du coup. Rakan il est immuable, Jarvan il est immuable et ça se joue entre ça et ça quoi. J'espère que je tombe sur le mec qui est push 5 pour être first pick. Ah, dis-moi que j'ai le mec qui a push 5. Oh, lui aussi la hache, c'est moi en face. Ouais, c'est un miroir de moi. Ah bah c'est celui qui m'a. Ah, ce coup-ci par contre. Ce coup-ci. Ah, ce coup-ci par contre. Il se venge. Hein. Non, quand je disais qu'il fallait pas. Je t'ai pas dit qu'il fallait me démonter non plus. Hein. Non, je rigole. Non, par contre, je tue beaucoup trop d'unités là. Non, ça va. First pick ou pas? Ah non. Une chance sur deux d'être first pick. Sympa l'open for de Unil. Allez. First pick. Non, seconde pick. Putain, le 50-50, mais couillanski quoi. Ah, j'ai une épée ni tir, il y avait deux tirs, deux épées. C'est baguette hein, du coup. Hein. C'est une Harry 2 en plus. Oh, c'est nul ça. Ça, c'est dommage. Mais Harry 2, c'est quand même un très très bon pick. Ça, ça me fait plus penser à Syndra du coup. Mais... c'est dommage, il y avait deux tirs, une épée. Et j'ai eu ni l'un ni l'autre quoi. On était trois. Il y avait un item, il y avait un de nous qui allait se faire baiser aux chaises musicales. Et c'est moi qui me suis fait baiser jusqu'au trognon quoi. Alors. Le problème c'est que je veux pas savoir encore ce que je veux jouer quoi. Malheureusement. Même si c'est vrai que la Harry elle va me donner un petit boost à un moment sur la compo Star Guardian, mais bon. C'est vrai que j'ai envie de commit là, mais bon. C'est le mec qui a baisé ma tire ça. Pour jouer Cassio, cet enfoiré. Ah, il porte bien Ginzo. Harry porte pas d'item. Harry, elle porte. Harry, on va la fendre à un moment donné, c'est sûr. Harry ne restera pas toute la game. Certitude ça. Je commit, allez, je prends un parti pris. Je pense que les Deagle ils font trop la différence ici à mon avis. Je pense que c'est correct de prendre le parti pris ici. En sachant que je peux la retrouver au pire mais. Pas mal. Au prochain PVE, arc et épée, tu regrettes. Je suis d'accord, mais c'est résultat orienté ça pour le coup. Parce qu'il y a quand même de grandes chances que j'ai ni arc, ni épée, ni tir en fait. Et dans ce cas-là, bah, on serait bien content d'avoir fait un choix quoi quand même. Je pense. Mais je suis d'accord qu'on peut se faire baiser. Je pense que l'important c'est de pas être résultat orienté et de se dire est-ce qu'il fallait vendre ou pas pour les gold. Honnêtement, si on doit prendre une direction, c'est on a eu Harry 2 au carreau quoi. Donc si on doit prendre une direction, par contre, Harry 2 qui a pas ulti d'ailleurs, on en parle ou pas. Pour moi, la direction c'était la bonne quoi. Après, est-ce que derrière les items vont nous donner tort? C'est possible, mais c'est le principe de TFT quoi, faut prendre des risques. Hein. Je me rends me faire baiser sur ce fight là. J'ai envie de crever quoi. Pire fight de ma vie quoi.
Les arcanes. Ah, terrible. Terrible ce fight. C'est une direction intéressante, moi je trouve. Bon, personne n'est sur Syndra. Hein. Bon. Je vais vendre les deux, je pense. Alors. Bon, non, je suis pas d'accord, Courtheus. Hein. Ça peut faire plus de temps qu'autre chose, hein. Même pour moi. J'ai du staff H du coup. Alors. Évidemment. Merci beaucoup Khalid 51, excuse-moi, je crois que je t'ai oublié, je crois. Merci beaucoup mec, désolé. J'ai que 21 gold, c'est un peu cata. C'est que je peux même pas essayer de win streak quoi, parce que j'ai trop besoin d'une tir au carreau. Ça va être encore contest, je pense. Le scénario est pas très bon là pour nous. Épée sera encore plus contest que tir. Hein. C'est dur de jouer Jhin. On va dire que je suis le seul. Ah, mais en vrai, je suis pas contesté sur Syndra. Ça devrait être un argument décisif, je pense, pour nous. Le fait de pas être contesté sur Syndra. Je joue pas 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 Syndra. Et je joue pas Syndra. Et je joue pas Syndra. Bon. Ça suffit à me convaincre, perso. Du coup, je fais un Zrot sur Jarvan. Allez. Ça m'a convaincu perso hein. Je pense que des fois il faut pas être plus royaliste que le roi, je pense. Est-ce qu'on sera récompensé en touchant une autre Janna au level 7 en natural roll? Je l'espère. C'est tout naturellement que je l'espère évidemment. Je prends une vente de la haine. Mais niveau écho, c'est quand même cata, hein, cette game. Et j'ai pas roll en plus, quoi. C'est combien? Je sais pas combien je suis là actuellement exactement au classement. Je sais juste que si je fais top 1 ou top 2, je danse la lambada en direct. Tout seul avec le général de Gaulle en tête à tête. Donc c'est pas tout seul du coup, c'est pas grave. Je suis 20 là, plus ou moins. Il a Ashojin, Rakan 2, Jarvan Warmog. Ok, bon, je le bats pas. Bon, Jarvan a pas ulti ou c'est moi? Vous en avez fait un quand même, non? C'était un peu ulti, ça. Oh, Mahari, elle se fait tellement baiser quoi. Qu'est-ce qu'il est fort lui. Ça me donne un meilleur carreau, j'imagine, j'espère. Oh non. Est-ce que ce serait pas le terrible 50-50 avec Calflo? Ou pas du tout? Pas du tout, je crois. Pas du tout. C'est le troisième pic. Bah. Ah oui, c'est vrai que c'est cette map de mort, j'avais zappé. Quelle angoisse. What an angoisse. Ah fuck. Je suis tout seul sur Syndra, du coup c'est Syndra. Faut faire Syndra 3 dans cette game. Ouais, quel flow il setup son. Je sais pas quoi, mais. Ça me fait bien chier quoi, de pas avoir la tire là. En plus, c'était Nico 2 accessoirement quand même. Chaud quoi.
Ça va être dur en vrai. Hein. Chaud as fuck cette game. Hein. Double Zephyr. Level 7. C'est pas bon match-up. Tant que j'ai pas Nico. Mec, Nico, je suis pas sûr que ça devienne un bon match-up. Hein. Putain, en vrai, j'ai gagné grâce aux Zroth. Vache. Ok. Ça c'est bien ça, il fallait que ça tombe. S'il y a une Annie qui va gicler je crois là. Alors petit scout est toujours solo sur Syndra. Je me demande si c'est pas un slow roll au 7 pour Syndra 3. Mais le problème de ça c'est que tu trouves pas Janna quoi. J'ai pas de tir. Si je trouve pas la tir c'est vraiment là... absolument terrible quoi. Parce que là il me manque 4 Syndra au final hein. C'est vraiment rien quoi. Ok Mahari a fait l'ulti de l'année pour une fois. Bon, on fait des bonnes victoires, ça c'est des bonnes victoires très importantes, ça c'est bon ça. Allez fais péter la tire. En sachant que la tire je l'ai eu. On est d'accord que la tire je l'ai eu au round PVE, on est d'accord hein. La tire je l'ai eu au premier carreau, on est d'accord. Non j'ai eu la baguette je crois. Non j'ai eu quoi au premier carreau? Je sais plus ce que j'ai eu. Non j'ai eu baguette et j'ai fait Yonic. Chiant du coup. Ah non j'ai eu Malphite tir. Tire sur le Malphite. Ok merci. Donc c'est à dire que j'ai pas encore eu de tir sur les rounds PVE du coup. Je pense qu'on va essayer d'entrer deux Syndra 2 peut-être. Donc là la question qu'on doit se poser c'est est-ce que ça tient. Est-ce que ça tient le level 8 ça? Et on roll au 8 plutôt. Je pense que double Syndra ça tient. Le problème c'est qu'elles ont pas les items mais bon. Le problème c'est que si je fais Syndra 3 ça fait... Bah je pourrais faire Kalis au pire mais bon. Je pourrais faire Kalis parce que cœur gelé c'est moins bien que Kalis quand même. C'est pas fou. En fait j'ai presque tout level 2 donc ça devrait être quand même assez fort. Le Rumble stun tout. Les ultis Syndra là sont vraiment trop forts quoi. Double Syndra c'est trop fort. On sait qu'on va faire Syndra 3. Le problème c'est qu'on aura certainement pas Blue Buff. Et que Syndra 3 sans Blue Buff, je préfère limite une Syndra 2 full stuff avec Blue Buff quoi. Je préfère une Syndra 2 avec un très bon stuff qu'une Syndra 3 avec un stuff de merde quoi. Pour la petite anecdote. Bon, j'ai pas Nico. Il y a une Janna ici déjà. Sur nos contests sur ma Syndra. Reste un carreau et un PBE quand même. Ouais. J'ai pas encore eu de tir donc je suis assez j'ai pas eu de tir de la game pour l'instant. Donc j'y crois tu vois mais voilà, Xayah pas 3 mais bon. Faudrait que les Syndra aillent OS quoi. Le problème c'est qu'il y a un G de toute façon. Alors, ça va être chaud. Voilà remarque voilà, c'est vraiment fort double Syndra la vache hein. Le problème c'est que c'est les ultis en même temps. Non tranquille. Elle est pas 3 en fait la Syndra donc la Syndra là voilà, la Syndra non plus mais la Xayah est 1-off. Je pense que je chill un tour de plus du coup. Parce que j'ai pas envie de roll avant d'avoir fait le carreau.
et que je suis absolument pas compté sur la compo. Le problème c'est que s'il y a une Syndra au round PVE et que je la prends, ça peut peut-être me combiner le système de merde. Mais bon, nique sa mère. Ah, problème de riche. En plus, je pense que ça slam cœur gelé, ça, mais les deux du board quoi. Je la sens bien celle-là. Yunid il va me péter la gueule là, je pense. Il va me démolir la gueule, Yunid là. À moins que Syndra one shot le Teemo. Ouais, ouais, elle va le one shot. Ah, il meurt. Ah, il meurt, nice. Ah, oh, double Syndra, c'est. La merde. Ok, non, je rigole. Je suis quand même la speak. T'es venu, il va encore remonter une tout top 1 ce bâtard, il est trop fort. Ok, il a pas beaucoup d'économie là. Ouais, bah il va prendre la tira, dommage. Hein. Le mieux pour moi du... Oh putain, y'a Syndra. Syndra 3, mais le problème c'est que ça slam quoi si y'a Syndra 3. Le goût. On le saura jamais je crois. Pitié, dis-moi que ça fait GA, pitié. Oh, ça va faire cœur gelé, je me suicide. Ça va faire cœur gelé, c'est sûr. Ça va faire cœur gelé 100%. Ça va faire cœur gelé, c'est sûr. Je pense que c'était random. Alors. Best day ever. Merci à Churis pour le sub. Allez, celle-là, c'est la bonne, celle-là, les gars. Pour la France! For the Republic of Patrick Balkanic! Pour le Valois! La Syndra est toujours molle, hein. Mais bon. Maintenant, quand elle ulti. Ah non, mais elle a pas d'AP non plus. La Syndra elle a rien, cette connasse quoi. En fait, la Syndra fait pas de dégâts. Est-ce qu'elle tue tout le monde? Ils sont tous. Oh non, le Teemo, putain, mais c'est terrible! En vrai, je chill un tour et on va devoir roll encore, je pense. Hein. Je pourrais rush 9 si j'avais du stuff sur Syndra. Eh hey, j'ai une baguette sur Harry, j'avais zappé. Ok on va virer, merci de me l'avoir rappelé, j'avais zappé la baguette sur Harry. Ok Harry va GRT bah genre là, Soon quoi. Soon sa mère. Ok on va se faire dé... Ah putain le hook sur Syndra. Ça c'est parce que j'ai arrêté de scout hein. J'ai beaucoup scout toute la game et d'un coup j'ai arrêté de scout là. Comme un connard quoi. Con quoi. Bon. Pff, Agnel va jarter là. Coûte rien. Top 4 elle a quand même bien assuré. Bon, faudrait une tirer une baguette quoi et c'est fini je pense. Et une Janna idéalement, mais je pense que si j'ai full stuff, je peux peut-être push 9 en vrai. Sinon, il va falloir roll pour une Janna, mais il y en a plein des sorties, j'ai l'impression des Janna, non? Ok, il y en a que une en fait. Oh, tueur de géant. Insane, je joue même pas à Ryl quoi. Ça tient le 9 ça non? Est-ce que Mystique est pas mieux que 4 sorciers là? Vu que Syndra a 7 dégâts de toute façon. On verra pour refaire une Harry après. Qu'est-ce que je fais de ce Victor? Je veux juste un maximum de thunes je pense. Le reste je m'en branle là. Okay, Mystique c'est bien contre lui. Syndra a du mal hein, sans...
Les 6 Star Guardians à côté. Hein. Ouais, je me fais défoncer là. Après, c'est le premier, il détruit tout le monde, mais bon. Bah, Star a pas tant de burst que ça, enfin, c'est un peu chaud quoi. Je peux le voir ici. Je crois que j'ai rentré 4 sorciers, j'ai pas de burst là en fait. Syndra 3 c'est plus que c'était, hein, franchement. Le problème c'est que j'ai beaucoup de level 1 encore. Hein. Je me sens assez faible. Si je perds, faudra roll, tant pis. Si je perds ici, on va devoir roll. Pas de Warmog ni rien sur l'autre là. Faut gagner, comme ça je peux chiller un tour de plus. Aïe 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 aïe. Ingagnable. Bon, ok, elle a fait un bon ulti. Ok, gagnable. Ok, gagné. Ingagnable. Chill un tour et push 9. Unit, c'est un très mauvais matchup pour nous, je pense. Ah non, il va au Syndra, je crois. Je pense pas que je t'agré lui. Ah, mais non, j'aurais dû la mettre là. Il va à Zephyr et au Syndra. Putain, je suis vraiment un fils de... Pauvre maman, quoi. Ma mère m'a été mieux que ça quand même, fils. Je suis nul à chier quoi. Free lose ce fight. Je savais en plus qu'il allait au Syndra. Je suis un débile quoi. Mon top 4. Le problème c'est que top 4 c'est nul quoi dans cette game quoi. Putain, je suis un débile. First pick. C'est moi qui ai une Janna, pitié, y'a pas de Janna, tuez-moi. Warmog c'est trop bien. Shojin c'est insane aussi, mais c'est Warmog. Ah, c'est Shroud hein. Ok, non, c'est Shroud. Il change d'avis tout le temps. Shroud c'est juste le meilleur item du jeu en late game quoi. Mais Shojin était fou, Warmog était fou. Folle, pardon. Le problème c'est que là je risque de taguer lui et il me tue en fait. Ce qui risque de se passer. Putain, j'ai un Nico, j'aurais pu continuer à roll, je suis con. J'ai pas Shroud de la Janna. Ah ouais, c'est pas top ce que je fais là, putain, c'est nul ce que je fais. Je suis stressé le chat. Ok. J'ai pas vu la Nico. Putain, il m'a brain entre guillemets. Je me suis avancé pour éviter le blitz Zephyr. Mais du coup ma Syndra elle est vraiment mal placée. Ma Soraka fait un très gros ulti. La Janna fait un très gros ulti. La Syndra arrive à faire quelques ultis. Elle a tué la Jinx donc je pense que je gagne. Et je dirais même que je le tue. Pas, fuck. Ah, personne meurt, ils ont trop de PV les autres en fait. Le problème c'est que top 3 suffit pas à m'arrêter quoi. Si on fait top 3 quoi.
Je pense que tout le monde le bat, lui. Je pense que lui, je le défonce. Le problème, c'est que je suis pas tanky pour un saut, quoi. Vous voyez, un coup de main de Nico. En fait, le problème, c'est que ma Nico est 1 et bon, je voulais garder mon Nico pour Janna, mais j'ai pas trouvé Janna 2, quoi. Et Jarvan a fait un bon ulti. Nico a fait un bon ulti. Janna a fait un bon ulti. Okay. Est-ce qu'il prend moins 26? Non, jamais. Top 3. Allez, le top 2. Allez, la Janna 2 sur ce rôle. Pour la France! Ok, je me suis placé à peu près comme je voulais. Le problème, c'est le Zephyr sur mon Jarvan qui est. Ah là, il a Zephyr la Janna. C'est pas une bonne nouvelle, non, j'avoue. C'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que si t'as Janna ulti avant moi. Non, ça va, je gagne, je le défonce. Hein. Ok, dis-moi que t'as le somme, il meurt, pitié. Ah, c'est chaud là, non? Non, c'est bon, c'est bon. Yes! Le problème, c'est le Zephyr maintenant. Ouais, top 1, on assure. Top 1, c'est terminé. Le problème, c'est qu'il y a tellement de games à gagner là. Et tellement de Zephyr à dodge, quoi. Je peux gagner une fois, mais pas deux, quoi. Enfin, c'est chaud. J'ai Shroud. Ok, il a pas Shroud la Syndra. Tant mieux parce que j'avais zappé de la bouger. Il a essayé de me niquer, mais j'ai pas bougé parce que je suis trop intelligent. Non, c'est faux, j'avais zappé. Ouais, je perds là, je pense. Hein. Ouais, le setup se met mal pour moi ce coup-ci. Mais j'ai Janna 2 maintenant, mais bon. Non, le setup est mauvais là. Bon. Il était fort en vrai. Ok. J'aurais pu un pack, c'est vrai. Du coup, il n'y a plus d'assassin.